Prague, Tchécoslovaquie, 6 heures. Voilà. Ça fait un an jour pour jour. Un an que je suis un homme libre. De nouveau. Mais je suis un proscrit. Les gens font semblant de ne pas me voir. Je n'ai plus d'amis. J'ai encaissé 3 ans de prison. Ça ne rajeunit pas, c'est sûr. Mais j'ai toujours un visage quelconque. Donc, si personne ne veut me voir, il faut absolument que je me fabrique une tête qui sautera aux yeux de tous. J'en ai assez d'être un homme sans tête depuis un an. J'en ai assez que ma femme soit la seule personne qui me parle. Et encore, elle parle peu le matin, par crainte de ne pas me revoir le soir. Pavel? Elle sait bien que je peux me faire arrêter comme ça, sans raison, et que ça risque d'être notre dernière conversation. Sans témoin. Prague, 6h11. Chacun ici a peur de l'autre. Et pour couronner le tout, chacun a peur de lui-même. Des gens cassés. Des gens anesthésiés. À se demander comment on réussit à bouger encore. Très probablement, on est d'une constitution beaucoup plus coriace que ce qu'on croit. Alors même abattu, on remue toujours. Prague, 6h30. Bravo, mon ami. Tu avances bien. Il y a quelques années, on se saoulait à la bière. Ensemble. Maintenant, c'est toi le chien de garde et moi le gibier de service. Mais qu'importe. Prague, 8h42. Prague, 10h30. Ce n'est pas leur faute si je suis tellement isolé. S'ils m'approchent, ils sont automatiquement repérés, suspects. Heureusement, le travail nous aide à passer le temps. Prague, 14h30.
Voilà. Ma nouvelle tête est prête. Il n'y a qu'à la faire circuler et s'amuser. Prague, 15h27. Alors, est-ce que j'ai enfin une tête? Je fais l'unanimité contre moi, mais en moins, on me fait de la place. Je fais mieux que les anciens combattants et les femmes enceintes réunies. Prague, 15h37. Tiens, le subitement pressé. Prague, 15h42. Après ça, c'est sûr que j'ai une tête qu'on voit bien. Prague, 17h23. Sans ridicule. Tu me menaces de prison. Mais aller en prison, c'est du sport pour moi. J'ai déjà l'habitude. D'ailleurs, dans beaucoup de pays, la prison devrait être proclamée sport national. Prague, 18h07. C'est amusant. Maintenant, ils m'accusent de trahison. Ils oublient que notre cher président a fait lui-même 7 ans de prison pour le même chef d'accusation, condamné par les mêmes juges et les mêmes lois qui vont me tomber sur la tête. Prague, 18h27. C'est drôle. Personne n'ose toucher ma nouvelle peau. Ils n'ont jamais vu ça. Je parie qu'ils attendent une autorisation spéciale pour voir si ça colle bien à ma gueule. Prague, 18h32. Thank you.
Toute peau est bonne